Ce mercredi 7 janvier, la rédaction de Charlie Hebdo a subi une attaque terroriste entraînant la mort de 12 personnes. À la suite de cette attaque sans précédent contre la liberté d'expression, près de 300 personnes se sont réunies spontanément sur le parvis de la mairie de Cahors afin de témoigner leur soutien aux journalistes, policiers et civils morts durant l'attaque. On est tous révoltés, meurtris par rapport à ce qui s'est passé ce matin. On voit néanmoins qu'il y a aujourd'hui des gens qui se mobilisent spontanément à travers les réseaux sociaux encore ce soir, ici devant l'hôtel de ville, pour exprimer leur attachement à les valeurs qui ont fondé, nos valeurs qui ont fondé notre démocratie, de liberté, d'égalité, des valeurs de laïcité aussi. Et face à cette barbarie, nous devons opposer l'unité. Le lendemain, ce sont les journalistes et communicants lotois qui ont tenu à rendre hommage à leurs collègues et réaffirmer leur attachement à la liberté de la presse. Alors aujourd'hui, il y a un rassemblement spontané des journalistes et des communicants du Lot pour effectivement exprimer notre recueillement, notre douleur et redire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment désormais penser à réagir, penser à faire notre métier encore plus que jamais, défendre les obscurantismes, mais aussi assurer tous les citoyens qui sont, quelle que soit leur religion ou pas, de notre soutien pour peu qu'ils respectent et adoptent les valeurs de la République. À l'appel de la mairie de Cahors, 6000 personnes se sont réunies le soir même sur le parvis de la mairie, partageant ainsi la minute de silence en ce jour de deuil national. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. Je suis musulmane, au nom de tous les musulmans, je dénonce cet acte de barbarie. Non à la barbarie! Nous sommes unis sous le drapeau de l'humanité. Partout ailleurs dans le Lot, des rassemblements ont eu lieu, comme à Figeac où 4000 personnes étaient présentes, place Vival. D'autres appels à la mobilisation sont lancés pour cette fin de semaine.